Cette vidéo, nous allons donc vous expliquer donc la fin du TP sur la mesure du PK du BBT, donc avec le tracé du graphique et la mesure finale donc du PKA. Donc pour rappel, donc on a obtenu lors du TP pour la plupart d'entre vous donc le tableau donc du pH et de l'absorbance, donc l'absorbance en fonction des différentes solutions de pH données. Et l'objectif est donc de trouver ce graphique-là, de construire ce graphique-là, donc qui est le pourcentage des formes acides et basiques en fonction du pH, de manière à ce que l'intersection nous donne ici sur l'axe d'abscisse le pKa pour pH égale pKa. Donc quand les deux espèces sont dans les proportions identiques, 50-50. Donc on va appliquer la formule suivante. Le pourcentage de la forme basique sera égal à l'absorbance A divisé par l'absorbance pour le pH de 11, et enfin le pourcentage de la forme acide sera égal à 1 moins le pourcentage de la forme basique, de manière à ce que la somme des deux pourcentages fasse 1 ou 100%. Donc pour ça, donc nous allons ouvrir donc Capstone, voilà. Donc quand nous ouvrons Capstone, nous avons tous rentré donc les valeurs donc ici du pH en fonction plutôt de pH et de l'absorbance associée à chaque solution de pH donnée. Donc vous avez tous, quasiment tous, obtenu ça lors du TP. Par contre, vous n'avez pas tous exploité. Donc il faut tracer, une fois qu'on a ça, donc deux colonnes supplémentaires pour le pourcentage de la forme, le pourcentage, pardon, de la forme acide et le pourcentage de la forme basique. Donc on va commencer ici. Je vais par exemple commencer ici par le pourcentage de la forme donc basique. Donc il faut que je rentre ici les valeurs, il faut que plutôt le Capstone utilise ses fonctionnalités de tableur pour me calculer donc le pourcentage de la forme basique, sachant que il faut que je rentre une formule qui sera que c'est l'absorbance, donc ça, cette colonne-là, divisée par la valeur pour le pH de 11, c'est-à-dire 2,00. Donc ici, je clique sur sélectionner une mesure, créer une nouvelle, et là je vais cliquer sur calcul, puisque ce n'est pas moi qui vais rentrer toutes les valeurs du pourcentage comme je l'ai vu en TP. On va utiliser les fonctionnalités de Capstone. Donc ensuite ici, je vais l'appeler donc pourcentage de la forme A. Je vais l'appeler, je ne mets pas le moins pour pas prendre de risque. Ensuite je clique sur entrée, il me met l'unité, il n'y a pas d'unité, j'efface entrée. Ensuite ici, donc je vais vous montrer, là, il apparaît, il attend une formule. Donc là, je vais insérer donc les fonctions, des données qui seront ici les valeurs d'absorbance, et je vais diviser par la valeur maximale de 2,00. Donc je fais à côté du pourcentage A en rouge en haut, je clique droit sur la souris, insérer des données, et je prends l'absorbance A. Je divise ensuite par la valeur maximale de mon tableau pour pH 11, c'est-à-dire 2,00. Je clique sur Entrée et automatiquement il m'a créé donc les valeurs des pourcentages de forme basique. Ensuite, je fais la même opération pour la colonne d'à côté, sachant que cette fois-ci c'est aussi un calcul. Donc, ça sera un calcul, sauf que cette fois-ci, donc je vais le noter pourcentage de la forme acide. Entrée, unité, j'efface, toujours pas d'unité, c'est un pourcentage. Donc, en haut, je vais en haut et je vais ici rentrer 1, je tape 1, moins. Et il faut que je fasse moins toutes les valeurs du pourcentage de la forme basique. Donc là, il faut que je rentre des données. Et là, je clique sur pourcentage de la forme basique, pardon, pourcentage A. Ensuite, on voit bien ici que j'ai rentré donc 1 moins le pourcentage de la forme basique. Je clique sur entrée. Il me crée automatiquement, donc bien entendu, ici, tous les pourcentages de la forme acide et de la forme basique. Ensuite, je vais dans la partie graphique. Dans la partie graphique, il va falloir ici que je trace un des pourcentages, on va dire la forme basique. Ici, il va falloir que je sélectionne le pH. Et ici, il va falloir que je mette aussi un deuxième axe avec le pourcentage de la forme acide. Donc, on y va. Donc, ici, je clique sur sélectionner une mesure. Je vais mettre par exemple le pourcentage de la forme basique, pourcentage A. Ensuite, dans l'axe des abscisses, ici, au lieu d'un 10, je clique et je vais mettre le pH. Et enfin, vous voyez que quand nous observons l'axe, donc là il s'est automatiquement mis entre 0 et 1, c'est bien, ça veut dire que cet axe-là est relativement bien positionné. Ce n'est pas toujours le cas dans Capstone, donc si par exemple vous obtenez une courbe par défaut qui serait mal centrée ou qui serait trop dilatée ou pas assez, donc il convient donc de mettre l'axe dans la fenêtre. Donc par exemple je mets le 0 ici à l'origine, de faire apparaître le 1 donc en bougeant l'axe, donc en le prenant et en le dilatant, voilà. Donc là par exemple j'ai mis dans ma fenêtre le 0
et le 1, donc les pourcentages sont compris entre 0 et 100%. Donc une fois que mon axe est correctement mis, je peux cliquer sur l'axe, clic droit, et je peux verrouiller l'origine des axes. Ça veut dire qu'en fait, si je verrouille l'origine des axes, ce point-là ne bougera plus. Et ensuite, je peux également cliquer sur verrouiller l'échelle. Ça veut dire que dans ce cas-là, je ne peux plus ni déplacer l'origine, ni dilater ou comprimer, donc si vous voulez, l'échelle des pourcentages A. C'est-à-dire que cet axe-là ne bouge plus. Ensuite, pour faire apparaître un deuxième axe, donc des ordonnées, je clique ici, donc sur le bouton, je vous le remonte avec le pointeur ici. Donc quand je clique dessus, ici, il apparaît donc sélectionner une mesure. Cette fois-ci, je clique et je mets le pourcentage de la forme HA, donc la forme acide. Vous voyez qu'il est correctement aussi mis. Donc sachant que le 0 donc, a été ici, donc regardez bien, si je reprends, je vais essayer d'aligner donc le 0 qui est là, je vais essayer de l'aligner donc avec celui-là, et on va essayer d'aligner le 1 avec celui-là. Donc pour ça, je prends le graphique, puisque là c'est celui, donc c'est, je sais pas, je vous montre quand même, mais là c'est celui-là qui est surligné, donc ça veut dire que celui que je vais faire bouger c'est le pourcentage de HA. Si je cliquais sur celui-là, ça serait le pourcentage A que je ferai bouger. Si je clique sur ensemble, je bouge les deux. Donc là, je prends le graphique et je mets les deux, donc de manière à ce que les origines soient toutes les deux en bas, ici et ici. Donc ça veut dire que là, mes deux origines sont correctement placées. Donc ce que je vais faire un clic droit et je vais verrouiller donc l'origine. Donc là, ça veut dire que quoi que je fasse, l'origine ne bougera plus. Ensuite, je vais essayer donc de à mettre les 1, donc le maximum des valeurs ici, qui va être ici, donc à la même hauteur que celui-là, donc je vais essayer de l'augmenter. Donc je prends ici mon axe, je clique dessus, et je le monte là, vous voyez, quand je suis là, ici, je me suis arrêté là. Là, vous avez bien la ligne du 1 qui est alignée avec la ligne du 1 ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux juste cliquer, verrouiller l'échelle. Donc là, tout est bon. Ensuite, je clique sur ensemble de manière à ce que les deux courbes apparaissent en surbrillance. Et donc, quand je fais ça, les deux courbes apparaissent en surbrillance. Je prends alors le curseur ici. Donc le curseur là, je clique. Le curseur ajouter un outil de coordonnées delta. Je le mets ici donc sur l'intersection des deux courbes, et j'obtiens donc ici par exemple avec ces valeurs là donc un pKa de 6,8, 6,8 étant donc la valeur ici lue ici sur l'axe des abscisses. Donc voilà comment on obtient avec par exemple ces valeurs là qui sont des valeurs expérimentales, et en les exploitant en traçant donc des calculs de pourcentage de la forme basique et de la forme acide, on a tracé le graphique, on a lu par donc lecture graphique le PKA. Si jamais vous utilisez le curseur, il est possible que des fois le curseur ne s'agrippe pas sur les points en question. Dans ce cas-là, il faut cliquer droit sur le curseur, propriété de l'outil. Il faut aller dans coordonnées et au lieu de mettre 100, il faut mettre 1. Et normalement, quand vous mettez ça, vous pourrez lire tous les points si jamais le curseur s'agrippe à d'autres valeurs. Donc voilà, en espérant que cela vous sera utile.